الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنتشرف أن نستضيف في هذه الليلة المباركة وفي هذه الغلفة المباركة لغبير دولا سنة أعلم السنة فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى، وسيلقي إن شاء الله تعالى محاضرة قيمة بعنوان تحقيق التوحيد. Donc ce que je viens de dire en arabe, c'est que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir et dans ce salon les repères de la Sunna, le cheikh Mohamed ibn Ramzan al-Hajiri. Et il va nous donner un cours portant sur, ou qui a pour sujet, la concrétisation du tawhid, de l'unicité. فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء عبر الأثير من خلال هذه الغرفة، وذلك للمذاكرة في مسألة مهمة، ألا وهي تحقيق التوحيد. ومن أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le Cheikh, après avoir donné une introduction connue de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il allait parler dans ce cours d'un sujet qui était de la plus grande importance et qui est la concrétisation du tawhid, de l'unicité. Et il nous a rappelé le shir qu'Allah Azzawajal a fait descendre les livres et a envoyé les prophètes dans ce but, dans le but de concrétiser le tawhid. Et il nous a rappelé le verset dont la traduction du sens est qu'Allah Azzawajal a envoyé dans toutes les communautés des envoyés afin qu'ils adorent uniquement Allah et qu'ils se désavoue complètement du tarot. الرسل أرسلوا إلى أقوامهم من أجل هذا، والله تبارك وتعالى أمر بهذا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا معنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا معنى لا إله، فلا إله إلا الله قامت على النفي والإثبات، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، البراءة كذلك النفي، إلا الذي فطرني إلا الله. هذه هي دعوة الرسل، الأمر بتحقيق التوحيد ونبذ ضده. Donc le Cheikh nous a rappelé que ce tawhid, en citant deux versets du Coran, que ce tawhid-là, il comprend ce qu'on appelle l'ifbat ou nafi, c'est-à-dire l'affirmation et les négations. Donc on affirme l'adoration uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et on nie toute autre adoration en dehors de lui. U'budullah wa la tushriku bihi shay'a, c'est-à-dire adorer Allah Azzawajal, et ici c'est Alif Bat, adorer Allah Azzawajal, c'est-à-dire l'affirmation, adorer Allah Azzawajal uniquement. Wala tushriku bihi shay'an, c'est-à-dire ne lui associer rien du tout. Et c'est ici un nafi, c'est-à-dire la négation. Donc on nie toute adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Également le Cheikh l'a cité un autre verset, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, c'est-à-dire je me désavoue
de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah Azzawajal. Et ici, bien entendu, c'est un nafi, c'est-à-dire la négation. Allah Azzawajal, dans ce verset, nous informe que l'on doit donc se désavouer de tout en dehors d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire toute adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Illa alladhi fatarani huna al-ithbat, c'est-à-dire qu'ici il y a l'affirmation et donc l'adoration d'Allah Azzawajal uniquement. L'islam قام على ثلاثة أمور: الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، والأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام. الإسلام قائم على ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. على هذا قام ديننا. Donc le cheikh il nous dit que la religion et l'unicité donc se basent sur trois choses. La première donc al-istislam lillah bit-tawhid, c'est-à-dire se soumettre à Allah Azzawajal par l'unicité. Et également, il nous dit l'inqiyad ou la ubittara, c'est-à-dire obéir à Allah Azzawajal, obéir à lui, c'est-à-dire se vouer totalement à Allah Azzawajal par l'obéissance. L'inqiyad ou la ubittara. Et ensuite, il nous cite le shirk, qui est le troisième, al-bara'atu min shirk ou ahli, c'est-à-dire se désavouer de l'associationnisme, du polythéisme et de ses gens. Donc la religion se base sur ces trois choses. أما تحقيق التوحيد فيلزم لذلك أن يحذر من مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. الأمر الثاني أن لا ينقص كماله بشرك أصغر. الأمر الثالث أن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. من لم يقع في هذه الثلاث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Le shérif nous cite également un point qui est très très important par rapport au tawhid. Il nous dit que celui qui concrétise réellement le tawhid, c'est-à-dire dans un premier temps, ce qui est la base du tawhid, et qui ne va donc pas tomber dans ce qui va à l'encontre de cela, c'est-à-dire shirk al-akbar, c'est-à-dire le polythéisme majeur, donc ce qui va lui le faire sortir de l'unicité. C'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on appelle la perfection du tawhid, la perfection du tawhid, kamal et tawhid, c'est-à-dire qu'il ne va pas tomber dans quelque chose qui va à l'encontre donc de cette perfection, comme ce qui est de l'ordre du polythéisme mineur. Et ensuite, le shir également, il nous dit qu'on ne doit pas tomber dans ce qui est de ou ce qui va à l'encontre de l'obligation du tawhid. Et à l'exemple de cela, il nous a dit le shir les innovations et également les grands péchés, le kabayr, et également l'israr al-sarayr, c'est-à-dire faire les petits péchés de manière continuelle. Donc tous ceux qui ne tombent pas dans cela, qui ne tombent pas dans le grand polythéisme, dans le petit polythéisme, dans ce qui va à l'encontre de la perfection du tawhid, et également qui ne vont pas à l'encontre de ce qui est également de l'obligation du tawhid, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans l'innovation, les grands péchés et les petits péchés, c'est-à-dire de manière continuelle, alors cette personne-là, elle rentre dans le paradis, elle rentre au paradis et elle a complété le tawhid de manière totale. هذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بتحقيق التوحيد
بحاجة إلى شرح، وسوف نشرح هذا فقرة فقرة. Donc le shir, ce qu'il vient de citer à l'instant, ça demande une explication. Et le shir, il va expliquer chose par chose. الأمر الأول أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. النقض من الإزالة، النقض من الإزالة، وأصل الشيء هو ما يبنى عليه غيره. أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. الشرك الأكبر ينقض التوحيد، فلا يجتمع الأكبر مع التوحيد، فمن وقع في الشرك الأكبر حبط عمله، ولو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. Le cher donc il nous a dit, donc en expliquant ce qui a précédé, c'est que on ne doit pas tomber dans ce qui va à l'encontre de l'origine du tawhid, c'est-à-dire asl tawhid. Et ce qui va donc à l'encontre de cela, c'est al-shirk al-akbar, ce qui va à l'encontre et ce qui rend le tawhid vain, c'est le grand shirk, c'est-à-dire le grand polythéisme. Et la personne qui tombe dans cela, automatiquement, il n'a plus d'unicité et toutes ses actions vont devenir vaines. Et il nous a cité le shir, le verset qu'il a cité donc en langue arabe, et également le hadith qu'il a cité, et qui nous prouve donc ici que la personne qui donc commet le grand associationnisme, ses actions deviennent vaines et bien sûr il est sorti de l'unicité. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك بصرف عمل أو قول أو اعتقاد هو محض حق الله لغير الله، كالصلاة لغير الله، كالذبح لغير الله، كالسجود لغير الله، كأن يجعل مع الله إله